Seigneur Dieu bénisse tous. Amen. Nous profitons de cette occasion pour vous transmettre les salutations de vos frères et sœurs de Mbujimayi. Je vais juste lire deux écritures. La première écriture est dans Ésaïe 30. À partir du verset 18. Cependant, le Seigneur désire vous faire grâce. Et il s'élèvera pour vous faire miséricorde. Car le Seigneur est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitants de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce. Quand tu crieras, dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Un seul a été exaucé à cause de sa piété. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous tous, nous sommes exaucés à cause du parfait sacrifice de Golgotha. Alors le verset 20 dit, le Seigneur, pas quelqu'un d'autre, le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui s'instruisent ne se cacheront plus. Ça c'est oui et amen. Mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. On n'a pas dit vos yeux. Non, tes yeux, c'est individuel. Mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui te dira, voici le chemin. Nous ne voyons pas seulement le chemin, mais nous voulons marcher dans ce chemin. Et l'autre écriture, c'est au chapitre 32, le verset 3. Les yeux de ceux qui voient ne seront plus bouchés. Et les oreilles de ceux qui entendent seront attentives. Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient. Heureuses sont vos oreilles parce qu'elles entendent. Heureux sont vos cœurs parce qu'ils croient. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous avons déjà écouté la parole de Dieu. Donc, si vous voyez le bon ensemble, nous ajouterons un peu à ce qui a été dit. Donc, on va pisser à mon moquet, là-haut, et c'est là qu'il y a Colobama. Juste pour compléter. Vous pouvez répondre à Colobama, caca. Car l'amour de Dieu demeurera pour nous une merveille. Vous êtes voulu mon ensemble, et côté caractère, vous êtes pour la vie solide, qu'à moi. Insondable. Incompréhensible. Nous la recevons par grâce. Dans le psaume 89, là il est dit, je chanterai toujours les grâces du Seigneur. Amen, amen. Na koyemba bikolo nyoso bangolo na nkolo. Ma bouche fera connaître à jamais sa fidélité. Je dis, la bonté a des fondements éternels. En fait, la grâce a des fondements éternels. Il y en a qui veulent qu'elle soit fine. Limité. Mais pour nous, elle est infinie.
Amen. Dans le livre de Timothée, Paul pensant à ce passage, parmi tant d'autres, dit dans 2 Timothée, chapitre 1er, Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. Amen. Amen. Il avait jugé bon de nous sauver. Ça, c'était son plan. Et comment cela? Selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. C'est pour ça que je dis, la grâce a des fondements éternels. Amen. Et tu établis ta fidélité dans les cieux. Dans les cieux. Amen. Amen. Mais si la grâce a des fondements éternels, il est donc normal que nous puissions comprendre selon Ésaïe 30, à partir du verset 15, car ainsi a parlé le Seigneur. Yahvé, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité. Faut pas être agité. Ceux qui sont agités, ce sont ceux qui n'ont pas de promesses. L'homme qui a des promesses, il est calme. Il est serein. Moïse venait du désert. Dieu lui a dit, va faire sortir mon peuple. Mais la preuve que c'est moi qui t'envoie, c'est que tu reviendras m'adorer ici. Comment partir sans quoi? Tu ne peux partir que si tu as cru que tu reviendras adorer ici. Alors tu dois connaître celui en qui tu as cru. Tu dois savoir qui il est. Avoir une relation. Et sachant que ses promesses sont certaines. Alors quand Moïse partait, c'était dans la tranquillité. Toute l'armée de Pharaon ne lui disait rien. C'est dans la tranquillité et le repos. Repose-toi. Ce sera votre salut. Pas dans le travail. Dans le repos. Ce sera votre salut. Mais l'ayant obtenu, travaillez alors avec crainte. Et tremblement à votre salut. Car c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. Alors Moïse est parti tranquille dans le repos, selon qu'il est encore dit, c'est dans le calme, pas dans l'agitation, en multipliant les paroles, dans le calme et la confiance. Mais la confiance en qui? Abraham eut confiance en Dieu. Abraham a lié qui la carte dans sa main. Et cela lui fut imputé à justice.
Cela est écrit non seulement pour lui, mais pour nous aussi qui croyons. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Bien aimés, nous sommes forts. Mais dans le cœur et dans la confiance, comme ce roi avait dit, celui qui est avec vous, c'est un bras de chair. Mais celui qui est avec nous, c'est le Dieu éternel. Mais quelle confiance! Il dit, et la chose arrive. Il est dans le ciel. Il fait ce qu'il veut. S'il veut que j'arrive, j'arriverai. Et il a dit à Moïse, va. La preuve que c'est moi qui t'envoie, je t'assure d'avance que tu reviendras m'adorer. Dites-moi, qu'est-ce que tu pouvais arrêter Moïse? Avant de partir, on lui annonce la fin. Alléluia! Amen. Esaïe 46, verset 10. J'annonce la fin. Avant le commencement, avant même qu'il commence avec nous, il te dit, tu es mon fils. Nous ne sommes pas devenus fils de Dieu quand nous avons cru. L'Écriture dit, il nous a ramenés vers le gardien et le berger de nos âmes. Nous étions comme des brebis errantes. Nous étions déjà des brebis, mais errantes. Et par l'Évangile, il nous a ramenés. Alors c'est dans le cœur et la confiance que notre force, comme Moïse descendait, il était dans sa voix, du devoir. Je ne sais pas bien le dire en français. It was in his way of duty. Il était sur le chemin de son devoir. Donc tous ceux qui étaient sur le chemin de son devoir devaient s'écarter. Le devoir était ordonné de Dieu. Lui ordonné de Dieu. Dans le temps fixé par Dieu. Lui calme et confiant. Tout devait s'ouvrir. Quand il est arrivé devant la première garde, qui était là, où vas-tu? Il dit, le Seigneur l'Éternel m'a envoyé voir Pharaon. Il passe. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième garde, où vas-tu? Ok, Yuapi. Yahweh, le Dieu d'Israël, m'a envoyé vers Pharaon. Alléluia. Amen. Qui t'a appelé? Nani Biangio. Quel est le petit démon sur ton chemin? Jésus. Jésus. Le Dieu du ciel, descendu sur la terre, veut faire de toi son épouse. Allez-y, conseil au moins, tu là. Passe. Alléluia. Amen. Parce que nous
marchons avec lui. Amen. Et avant, rien ne résiste sur son chemin. Alléluia. Amen. Et il avait cette assurance. Et c'était ça sa force. C'est comme ça qu'il arrivait devant Pharaon. Il dit Yahweh, le Dieu d'Israël, m'envoie te dire. Imaginez-vous qu'il est entré. On ne l'attendait pas. Pharaon était occupé avec ses conseillers. Y avait-il une fête? Voilà un homme barbu qui entre. Poussiéreux venant du désert. Fils d'esclave. Accompagné de son frère, un esclave. Tout ce qu'il avait à la main, un bâton. Et dans sa bouche. Le ainsi dit le Seigneur. Qu'est-ce qui pouvait l'arrêter? Il s'avance jusque devant Pharaon. Ah, qui dit Pharaon. Alors, il faut le Dieu d'Israël. Israël. Yahweh. Mon voix te dit. Laisse aller mon peuple. Vous savez bien que Pharaon ne connaissait pas Yahweh. Pharaon lui dit, mais qui est Yahweh? Oh, mais Yahweh est nani? Pour que j'obéisse à sa voix. Il dit, tu le sauras. Ceux qui doutent encore aujourd'hui, ils le sauront. Amen. Ils savent avoir qui l'ingé dans la yé. Ça veut dire un serpent. Et comme il n'y a pas, bon, il est comme il n'y a pas. Pharaon regarde tout le monde. Il se crasse de vie. Il dit c'est tout ce que tu sais produire. Il y a un serpent comme ça là. Jeunesse. Il y a des si. Jambres. Il y a un belessi. Venez ici. Oh, ya, ya. Allez. Allez. Jeunesse jette son bâton. Jambresse jette le sien. Ça devient aussi des serviteurs. Mais Moïse avait quelque chose. Le calme et la confiance. La confiance en qui? Au Dieu très haut. Connais-tu la suite du programme? Je ne sais pas. Mais une chose que je sais, on l'adorera au Sinaï. Alors ces petits serpents ne peuvent pas nous arrêter. Alléluia. Amen. Croyez-vous quand vous avez été invité au festin des noces de l'agneau. Et c'est bien comme qui n'a pas eu l'air de voir la pâte. Croyez-vous cela? Croyez-vous. En êtes-vous certain? Réellement? Alors rien ne vous arrêtera. Voyez l'autre côté, côté de Misabino. Car c'est dans le calme et la confiance que se trouve votre force. Ça ne vient pas de nous. Ça vient de celui qui a fait l'appel. Il dit aux Éphésiens. Afin que vous voyez. Quelle est l'espérance. Qui est attachée. À votre appel. L'appel que vous avez reçu. Il y a une espérance qui est attachée. Alléluia. Amen. Et quelle est l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qui s'exprime avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en ressuscitant Jésus des morts. Pourquoi? Car il était écrit. Jambi est-ce que comme ma qui était? Comme il était écrit. Le coup est-ce que comme ma qui était? Quand ton corps est un jour ne verra pas la corruption. Yahweh Kopolote. Quand la corruption commença à s'avancer, le corps devait sortir. Croyez-vous cela? Comme l'Écriture a montré dans Apocalypse 12. Quand la femme a enfanté. Et de temps où Dieu a bossé. Et
que le dragon s'est avancé. Mais de la bonne pousse à qui? Pour dévorer l'enfant. Voilà comment ma moine. L'enfant fut enlevé. Moine n'est pas la bâtie. Bien-aimé, l'enfant sera enlevé. Moi, ne m'en bats pas à connaître ton amour. Le tout, c'est être fils. Et de l'idée qu'on a la moine. Obéissant. Yabot aussi. Marchant avec lui. La cotambo la quelle dans le calme et la confiance. La carte la qui me fait lui. Dans la tranquillité et le repos. La carte la bon permis. Alléluia. Amen. Il est resté calme. Y a t-il la vanité? Personne ne connaissait la suite du programme. Sauf Dieu. Même Moïse ne connaissait pas la suite. Il savait ce qui viendrait après. Dieu ne nous montre pas tous les petits détails. Il nous montre les grandes promesses qui doivent arriver. Nous les connaissons. Les petits détails en chemin. Même si nous ne les connaissons pas. Comme nous connaissons la fin. Nous sommes clairs. Et soudain, le serpent de Moïse se retourna. Il a regardé celui de Jannès et il a avalé. Celui de Jambres a voulu fuir. Celui de Moïse l'a suivi. Il a avalé. Puis il est revenu. Quand Moïse l'a dit, il est redevenu bâton. Et comment qu'il ingenda? Tous les petits miracles de Jannès. Tous les petits miracles de Jambres. Disparus. Avec la canne de Moïse. Na lingenda la Mose. Quand la pluie viendra. Dans le boulet poya. Quand la pluie viendra. Dans le boulet poya. Et que la restauration aura lieu. Les Jannès et les Jambres. Leurs serpents disparaîtront. Alléluia. Amen. Tes grâces sont un fondement éternel. Et ta fidélité atteint jusqu'aux cieux. Cependant, le Seigneur désire vous faire encore miséricorde. Il vous a été dit. Et le moment qu'il a mis, s'il désire, ceux qui avaient une imposte, l'Écriture dit, ce qu'il veut, il le fait. Donc, il vous fait encore miséricorde. Alors, il continue dans le psaume 89. Au verset 4, j'ai fait alliance avec mon Israël. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours. Il a fait une alliance éternelle avec David. En tout point. Sûr. Et assurant cette parole est merveilleuse. Écoutez ceci. Ça, c'est l'alliance conclue avec David. David veut dire le bien-aimé. Or, David était le premier roi d'Israël selon le cœur de Dieu. Saül était roi selon le peuple. Et Dieu avait dit, je vous l'ai donné dans ma colère. Osée 13. Et dans ma fureur, je l'ai enlevé. Mais quant à David, un homme selon mon cœur, qui fera toute ma volonté, je conclus avec lui une alliance. Verset 5. Une alliance éternelle. Écoutez. En tout point. Bien réglé. Ce n'est pas les assurances qu'on nous fait signer. Il y a des feuilles. Et d'autres petites histoires écrites en
minuscule. Vous tombez dans le piège, vous signez. Quand vous avez un problème, ce qui était en minuscule, c'était le point clé. Il disait que si vous n'avez pas réalisé ça, on ne vous rembourse pas. Nous, cette alliance, elle est en tout point bien réglée. Et offrant une pleine sécurité. En offrant une pleine sécurité. Voilà l'alliance que Dieu avait conclue avec David. C'est une alliance qui un jour devait venir en action, en fonction. Alors là, il est dit, verset 4, j'ai fait, psaume bien sûr 89, j'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours. Et j'établirai ton trône à perpétuité. L'Esprit célèbre tes merveilles, ô Seigneur. Écoutez ceci. Et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Alléluia. Amen. Verset 9. Seigneur Dieu des armées, qui est comme toi puissant, ô Seigneur? Ta fidélité t'environne. Si vous comprenez le mot fidélité, donc quand la parole sort de sa bouche, il ne peut pas la contredire. Quelle que soit la situation, il dit au verset 15, la justice et l'équité sont la base de ton trône. Oh, ça nous envoie dans Hébreu 1. Dans Hébreu 1, l'Écriture dit, lisez avec moi, commençons directement au verset 5. Car aucun des anges, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils? Je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père. Et il sera pour moi un fils. Et de nouveau, comment pouvez-vous prêcher sans l'Ancien Testament? Car tout le nouveau n'est que l'accomplissement de l'Ancien. Amen. Et tout le nouveau et dans l'accomplissement de l'Ancien, ce n'est que le plan de Dieu qui se développe. Il n'y a pas de place pour les dénominations. Il n'y a pas de place pour les religions. Il n'y a pas de place pour tes œuvres. Il y a de la place pour ce que Dieu fait. C'est le temps de Dieu avec son peuple pour accomplir son plan. C'est lui qui le fait. Lorsqu'il est introduit dans le monde, le premier-né, donc il est né. Bien aimé, il n'est pas né d'une femme. Ne soyez point troublés, il est né d'une vierge. Alléluia. Amen. Ah, parce que vous avez été troublés. Apocalypse 19. Les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse, il n'avait pas encore connu, s'est préparé. Ami bon ici. Apocalypse 21. Après les noces. Voici la femme de l'agneau. Elle a déjà été connue. Alléluia. Amen. Maintenant elle le connaissait. Alors Christ est né. Christ au mot.
pas d'une femme. Outa moi cité. Mais une fière. Ça c'est outa moi c'est ça. Alléluia. Amen. Vous me citez Galates 4. Il faut comprendre le contexte. Il faut jamais prendre un verset à part dans l'Écriture. Il faut retrouver cela de la Genèse à l'Apocalypse. Il était né d'une femme. Non, d'une vierge. Il est dit. Quand il introduisit dans le monde le premier-né, que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges. Il fait des anges, de ses anges des esprits, et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu. Mais nous avons entendu parler de ce trône. Nous avons entendu que j'établirai ton trône à perpétuité. C'est ce que nous avons entendu dans le psaume 89. Nous avons entendu que la justice et l'équité sont la base de ton trône. Il dit ton trône, oh Dieu, est éternel. Le Fils est Dieu. Comment cela se fait-il? Il n'y a qu'un seul Dieu. Mais il est dit au Fils, ton trône, ô Dieu. Après la résurrection, le Fils apparut à ses disciples. Le Thomas n'était pas parmi eux. Sept jours après, il revint. Alors que les portes étaient fermées, il entra et il dit à Thomas, avance ta main et touche. Vois, Mona. Quand Thomas a vu cela, il dit à Thomas, crois et ne doute point. Là, il s'agissait du Christ ressuscité. Le Seigneur, Thomas le regarde et dit, mon Seigneur et mon Dieu. Qui était le Dieu de Thomas? C'était le Dieu des apôtres. C'était le Dieu d'Israël. C'était le Seigneur des seigneurs. C'était le Seigneur Jésus-Christ. Alors Paul dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Mais déjà Jacob avait dit dans Genèse, Judas, tu recevras les hommages de tes frères jusqu'à ce que vienne le Shiloh. C'est-à-dire celui à qui appartient le trône. Lisez avec moi Genèse. Nous sommes au chapitre 1. Comment je trouve ça? Genèse 49. Genèse tout combiné dans les bois. Verset 8. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Et écoutez, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas. Ni le bâton souverain d'entre ses mains. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Alléluia. Et que les peuples lui obéissent. Alors Paul prend ça dans Hébreux 1, citons le psaume 45. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu,
Dieu est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as eu l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, le Fils là, il est Dieu. Mais c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, scelle cette révélation parmi tes disciples. Hébreux chapitre 8. Esaïe 8. L'Éternel, Yahweh, le Saint d'Israël, est un sanctuaire. C'est un lieu où on va pour adorer. Mais il est aussi une pierre d'achoppement. Un rocher de scandale. Pierre prend ça et dit, il s'y heurte. Nous n'avons pas cru à la parole. Parce qu'il ne croit pas. Ils sortent. Les témoins de Jéhovah disent, vous voyez qu'il y a deux dieux. Nous nous envoyons craindre. Ô Dieu. Ô Zambé. Il est notre Dieu. Mais ton Dieu. Mais avant de monter, il nous a dit, va dire à mes frères. Il est notre Dieu. Et il est notre frère. Psaume 82. J'ai dit, vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme des hommes. La particularité de Dieu, c'est qu'il prend des hommes vils. Dans des vastes terres, il prend un trésor précieux. La parole, il la met là. Pourquoi? Afin que la gloire entre à Dieu. Quand la parole est prêchée, l'homme fonde. Moi, je prends ce que tu as dit. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, mais voici qu'il nous a dit, je m'en vais faire mon Dieu, votre Dieu. Alors, il est en même temps notre Dieu, mais son Dieu est aussi notre Dieu. Combien de dieux avons-nous? Un seul. Car il est dit, Apocalypse 11, 15, l'accomplissement d'Apocalypse 17. À la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira. Et quand le septième ange sonnera de la trompette, Apocalypse 11, 15, et une voix s'écria, c'est fait. Le trône du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et il régnera. Notre Seigneur et son Christ. Et il régnera. Le Seigneur et le Christ. C'est la même personne. Aujourd'hui, il vous est né dans la cité de David. Un sauveur qui est le Seigneur, le Christ. En Israël, sachez tous que Dieu a fait de ce Jésus Seigneur et Christ. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le nom de Dieu, c'est le Seigneur Jésus Christ. Amen. Le Seigneur qui a créé les cieux et la terre. Jésus. Jésus. Christ. Qui assiste toute éternité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, ta
joie. Au-dessus de tes égaux. Nous sommes les égaux de Jésus. Nous sommes les égaux de Jésus. Il est souverain sacrificateur. Nous sommes sacrificateurs. Il est le Fils de Dieu. Nous sommes fils de Dieu. Il est le roi. Nous sommes la reine. Il est le Fils de l'homme. Nous sommes des fils des hommes. Tout ce qu'il est, nous sommes. Mais il a été loin d'une île de joie au-dessus de nous, tous. C'est pourquoi il est doux et agréable. Il est prêt de demeurer ensemble. On demeure en son lieu, c'est-à-dire on habite là. Quel est notre demeure? C'est Christ. Il est doux et agréable. Pour les frères, de demeurer. Alléluia. Amen. C'est là. Où? Dans le lieu de demeure. Na kati na ndako. Répandu sur la tête d'Aaron. Et son famille pour la moutarde. Mais qui est Aaron? Le souverain sacrificateur. Lui répandu sur la tête d'Aaron. Ma coude est famille à moutarde. Ça coule sur sa tête. Et ça se répand sur sa barbe. C'est toujours la tête. Et oui, soudain. Sur les vêtements. Regardez l'abondance de cette huile. Il y en a tellement que ça descend jusqu'au bord des vêtements. Alléluia. Aaron le souverain sacrificateur. Mais nous avons un souverain sacrificateur. Selon l'ordre de Melchizedek. Il a été loin d'une huile au-dessus de ses égaux. Il est la tête. Nous sommes le corps. La même onction qui était sur Jésus. Elle a coulé sur les vêtements. Elle est sur nous. Voyez-vous cela dans le calme. La tête, la chimie. Et la confiance. C'est l'idée. Que sera votre force. Dieu est le même. Jésus-Christ est le même. Jésus-Christ est le même. Aujourd'hui. Éternellement. Celui qui croit. Les péchés sont pardonnés. Celui qui croit. Les maladies sont guéries. Celui qui croit. Les problèmes sont terminés. Celui qui croit. Oh, il y a un Dieu. Amen.